Bonsoir, bien bonjour tout fanatique Jeff Designs. Nous portons l'autre vidéo pour vous. Aujourd'hui, nous avons un petit coup de pied sorti dans Corel. Nous avons fait un tutoriel ça sur Photoshop. En pile, mon ami fait bel design avec photo sur Photoshop. Mais quelquefois, il est un peu difficile pour retirer background. Qui veut dire fond image là, sous table, faire. Mettez un autre background, une image, ou bien vous avez fait l'autre un flyer ou bien l'autre activité avec une photo. Nous allons montrer une façon très rapide de carréter le background. Le premier bagage à faire, c'est lancer Photoshop. Ok, le site application a fini de lancer. Je vais aller dans File, je fais Open. Et l'image que je vais prendre, je vais aller côté image là. On dit par exemple, je vais prendre l'image ça. Faire Open. Image moyen par être là. Moi j'ai plusieurs façons de faire ça, mais m'a montrer nous une façon qui plus rapide ou capable retirer pas quoi en image là. C'est vous venez là, vous sélectionnez background eraser tool, vous pesez et puis vous pouvez utiliser Magic Eraser Tool et puis les retirer le background pour moi. Et puis, je viens là encore. Faire même bagaille là. Jusqu'à ce que tout ça soit net. Retirer. Pour ne pas quitter si crasse même. On va venir là tout pour background eraser tool et puis on va redimensionner par exemple on va mettre le faire plus gros 87 numéro plus gros efface et puis me faire background très facile. Zoom et puis moi retourne mon carré ça va faire. Background moyen complètement effacé. Bon, c'est tout. Restez connectés sur Jeff Designs. Nous gagnons pour nous porter une autre vidéo pour vous. Côté sim d'ailleurs, background qui gagne plusieurs couleurs là-dedans. Par exemple, background a deux seules couleurs, un blanc avec un bleu marin uni. Moi, fini par retirer. Mais si tu as gagné plusieurs couleurs, par exemple, si une image si me dague un si me dague une image comme ça et me dague retirer parti ça yo comment pour me faire nous apporter tout ça vous dans une autre vidéo.
Pas oublier, subscribe sur channel. Like vidéo, partagez-le autant que possible.